I won't fear no demons. Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai transformé un jean. Je sais que je fais jamais de DIY, en fait, c'est pas trop mon truc d'habitude, mais là, j'avais vraiment envie de vous montrer comment transformer un jean que vous n'aimez plus. Et ça change aussi de d'habitude comme vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc là, c'est le jean que j'avais envie de modifier, de transformer. Je voulais vraiment avoir quelque chose de totalement différent. Il était beaucoup plus foncé en vrai qu'en vidéo. Il était vraiment bleu marine et moi, je voulais un jean bleu clair et je voulais avoir un jean vintage, tout ça. C'était vraiment très simple, donc c'est parti. Donc j'ai commencé par découper un trou au niveau du genou de mon jean. J'ai fait un repère avec une craie et une règle. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de faire exactement ce que je fais. Vous pouvez faire autant de trous que vous voulez, où vous voulez. Moi, j'avais vraiment envie qu'il soit ni trop haut ni trop bas, donc j'ai fait comme ça. Je vous conseille d'essayer le jean avec le repère sur vous et regardez dans le miroir si c'est vraiment l'endroit que vous voulez découper, puisqu'après ce sera trop tard. Et j'ai coupé avec une paire de ciseaux de couture que j'ai trouvé chez Monoprix si ça vous intéresse. J'ai aussi découpé les pieds de mon jean, je sais pas exactement comment on dit, mais je voulais que le bout soit complètement effiloché, je voulais pas qu'il y ait de couture, je voulais pas que ce soit droit. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire sur mes jeans parce que je trouve que ça donne cet esprit vintage et c'est très très simple, il suffit de couper en fait juste au-dessus de la couture, il y a une sorte de petit rebord et il n'y a pas besoin de faire de repère, ce sera forcément droit, normalement vous n'aurez pas une jambe plus longue que l'autre. Mais au pire, si jamais c'est pas parfaitement régulier, parfaitement droit, symétrique, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Ensuite, on passe à l'étape de la décoloration. Je vais utiliser ma baignoire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser une bassine ou un seau. Faudra juste peut-être pas mettre autant de javel que moi. Donc à la base, j'avais mis la moitié de ma bouteille de javel dans un fond de baignoire. Et j'avais mis du coup mon jean dedans, sauf que je me suis rendu compte que le jean en fait était à la surface, à certains endroits en fait il remontait à la surface et du coup ce serait pas très bien décoloré. Donc j'ai rajouté de l'eau et j'ai fini par utiliser toute la bouteille de Javel. C'était une bouteille de 2 litres il me semble, je crois que c'était ça oui. Et j'en ai mis beaucoup aussi pour que ce soit plus rapide, je voulais pas attendre 6 heures. Mettez bien des gants parce que c'est très abrasif la Javel. Ensuite au bout d'une heure et demie j'ai retourné mon jean parce que je voulais qu'il soit vraiment uniforme et si jamais vous avez une bassine ou un seau, essayez de le faire souvent pour pas que le jean reste plié à un endroit. Et du coup au bout de 2h30 j'ai décidé de le sortir, donc n'oubliez pas que le jean est beaucoup plus foncé quand il est mouillé qu'en vrai, donc n'attendez pas qu'il soit trop clair pour le sortir et en plus on va le passer à la machine et il va être encore plus clair, donc faites attention sinon vous allez vous retrouver avec un jean tout blanc. Et j'ai du coup rincé mon jean pour essayer d'enlever la javel. Juste essorez bien votre jean avant de le mettre dans la machine à laver, sinon il va être trop lourd. Et lavez-le bien tout seul aussi parce qu'il reste beaucoup de javel, ça pourrait abîmer vos vêtements. Et niveau programme, j'ai mis coton, j'ai mis 30, j'ai mis 1400 pour l'essorage et j'ai mis 55 minutes. Au bout de 55 minutes, je retrouve un jean qui est complètement méconnaissable. Je trouve que c'est impressionnant, je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, c'était même pas encore la couleur finale puisqu'il était un peu mouillé. Je trouve que là où j'ai découpé, ça fait vraiment réaliste, comme si c'était usé par le temps. C'est vraiment bien effiloché, pour ça la machine à laver, c'est vraiment parfait. Et voilà le résultat final pour la couleur, je suis trop contente, c'est canon, en tout cas c'est exactement la couleur que je voulais. C'est pas parfait dans le sens où il y a quelques petites lignes un peu plus claires, parfois il y a quelques petites taches, mais honnêtement ça me dérange pas du tout, c'est pas fait pour être parfait. Et je trouvais qu'il était pas assez vintage, donc j'ai décidé de prendre du papier de verre pour abîmer l'étiquette derrière. Donc elle était déjà un tout petit peu abîmée à la base, du coup j'ai mis quelques minutes à l'abîmer vraiment beaucoup. Si la vôtre est complètement neuve, ça risque de vous prendre un peu plus de temps, mais ça vaut le coup, je trouve que ça fait vraiment son effet. Ensuite j'ai pris une petite paire de ciseaux pour faire des sortes de petites
coupure en fait tout autour de l'étiquette, parce qu'en général quand une étiquette est vraiment usée, c'est comme si elle était déchirée à des endroits, il y a même des moments où elle se décolle à moitié. J'ai réussi à faire ça à la fin et voilà, c'est hyper facile à faire, pas besoin que ce soit régulier, il faut vraiment que ça fasse vrai en fait. J'ai aussi découpé une des deux poches arrière du jean, j'ai pensé à faire les deux, mais en fait quand on fait ce genre de choses, on a tendance à trop couper et à se dire finalement j'aurais peut-être dû en faire un peu moins, sauf qu'on peut pas revenir en arrière, donc je préfère couper un petit peu moins et être sûre que je puisse le porter facilement. J'avais pas non plus envie d'un jean complètement détruit, découpé de partout, donc je me suis arrêtée là, mais ça aurait pu être très joli, donc pourquoi pas, on peut toujours ajouter de toute façon. Et j'ai découpé les bords en fait des poches et le bord de la taille, j'ai fait ça devant et derrière, et on peut utiliser du papier de verre aussi pour effilocher tout ça pour rendre ça plus réaliste. Restez bien au-dessus de la couture, ne la coupez pas parce que sinon ça va un peu partir n'importe comment, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai passé à la machine à laver une dernière fois et voici enfin le résultat final. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait en dernier parce que je trouve que c'est en même temps très discret, c'est pas quelque chose qu'on va remarquer immédiatement et ça a quand même son petit effet vintage que j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne au niveau de la coupe, au niveau de la couleur. Je suis assez surprise parce qu'au départ, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'avais un petit peu peur que ça soit raté, surtout pour la décoloration. Mais au final, c'est vraiment ce que je voulais, donc voilà, c'est cool. En tout cas, n'hésitez pas à faire à votre sauce et à m'envoyer des photos de vos transformations de jeans, ça me ferait hyper plaisir. Et voici un dernier petit avant-après que je trouve vraiment impressionnant, en tout cas, j'aime trop trop trop. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ain't no cartridge, Jesus, the Messiah, he was God sent.